Après leurs cadets de classe de 3e du lycée Joseph Ambourou-Avaro de Port-Gentil, qui ont pris part en début de semaine aux épreuves écrites de l'examen blanc du brevet d'études du premier cycle, session 2018-2019, la gente masculine des classes de terminale toutes séries confondues de cet établissement a quant à elle entamé ce jour les épreuves d'éducation physique et sportive. Était au programme le lancer du poids et du disque, le triple saut, la course de vitesse et bien entendu les enchaînements de gymnastique. Bon, aujourd'hui, avec la nouvelle donne du lycée, nous avons décidé, quand je dis nous, cette année, et on le fait toujours, l'examen blanc, bac blanc. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle, les épreuves pratiques du bac blanc. Ce sont des activités qui sont, je peux dire, exigées lorsqu'on passe le vrai bac. Donc là, à l'heure actuelle, nous évaluons sur la course des vitesses, le lancer du poids ou le lancer du disque, le triple saut, y compris la gymnastique. Les fiches les présentent bien, il y a des critères d'évaluation là-dessus, il y a des critères d'évaluation. Donc la technique, on regarde comment l'enfant saisit le poids, par exemple au lancer du poids, comme je suis en train de le faire tout à l'heure, comment l'enfant saisit le poids, comment il le positionne le poids, comment le poids est situé au niveau de la jonction de la mâchoire et tout le reste. Oui, ça c'est critériel, les évaluations. Mais il y a dedans, il y a des personnes aussi qui ne s'en sortent pas. À ce qui concerne la technique, ils ne s'en sortent pas. Mais par exemple, là, on prend un peu. Déjà que si la technique, ça ne passe pas, la performance ne sera pas bonne. Donc ça se sent tout de suite. Ceux qui ne réalisent pas de bonnes performances, la technique ne suit pas. Et là, qu'est-ce que vous faites, vous, quand ils ne réalisent pas cette bonne performance? Bon, là, nous sommes en période d'évaluation, donc là, je ne peux rien dire. Je mets tout simplement les lèvres. Pour cette première journée d'activité sportive du bac blanc, les filles de ce même niveau scolaire ont été retenues pour la journée du vendredi 15 février 2019.